on est heureux de la diligence de la régie du bâtiment de prendre action d'une façon très rapide, faire en sorte que la situation ne se détériore pas. C'est qu'on veut un changement de culture organisationnelle. La question a été soulevée ce matin, elle est très pertinente. Nous n'avons pas rêvé depuis 4 ans. Les plans de garantie nous ont fait vivre l'enfer. On a été victime d'un vide de construction pour lequel on n'a aucune responsabilité. On a été également victime de l'administration des plans de garantie. Et nous allons rencontrer l'administrateur provisoire pour lui faire part de ces demandes-là. La GMN n'a jamais respecté l'article 18.6 du règlement de convenir d'un délai de réparation avec les bénéficiaires, alors que le règlement lui oblige. Elle prétend que c'est une situation exceptionnelle. Bien, la situation est exceptionnelle également pour nous dans bien des cas et elle nous impose des délais réglementaires qu'elle n'aurait pas dû avoir à nous imposer parce que c'est exceptionnel. Il faut que cette situation-là change. Donc, on a eu l'assurance, nous, hier, que le gouvernement ne laissera pas tomber les bénéficiaires, que tout est en place pour faire en sorte que les gens puissent avoir l'indemnisation. Donc, moi, je fais confiance aux administrateurs de la régie. Je fais confiance en leur bonne foi, je fais confiance en l'administrateur provisoire et je pense qu'il n'y a rien actuellement pour s'inquiéter.